Lors du nouvel épisode de la saison 34 de Fort Boyard, diffusé ce samedi 15 juillet 2023 sur France 2, l'animatrice Erika Moulet va vivre un petit moment de solitude pendant une épreuve. Oh, la boulette. Tout l'été, France 2 diffuse une salve d'épisodes inédits issus de la saison 34 de Fort Boyard, le jeu culte animé par Olivier Mine. Ce samedi 15 juillet 2023, justement, la chaîne propose un troisième numéro à partir de 21h10. Lors de cette soirée, le père Foura va dévoiler un de ses nouveaux atouts au nom empreint de mystère, l'atout secret. Concrètement, cela signifie que l'illustre personnage de l'émission ne dévoilera pas aux aventuriers sa stratégie pour les déstabiliser. Son but, les mettre en difficulté lors des différentes épreuves auxquelles les personnalités seront confrontées. Quest ce qu'elle fait? L'équipe d'Erika Moulet médusée face à sa bourde lors d'une épreuve de Fort Boyard, un nouveau défi a fait son entrée dans le fort cette saison. Il s'agit des planches de pirates. Pendant cette épreuve, les candidats doivent grimper sur des planches en mouvement, au-dessus d'un bassin rempli d'eau, pour atteindre la clé. Un concept que n'a visiblement pas compris Erika Moulet, l'une des personnalités présentes dans l'épisode. Comme vous pouvez le découvrir dans l'extrait vidéo que Télé Loisirs vous dévoile en avant-première en haut de cet article, l'animatrice a directement plongé dans la piscine, comme le père Foura lui a demandé au début du défi. Un comportement étrange qui surprend Olivier Mine, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Lâche-t-il? Elle n'a rien compris, ajoute l'animateur, amusé par la scène. L'équipe d'Erika Moulet, médusée, lui crie ce qu'elle est censée faire, mais non, sur les planches. Fait demi-tour. Malgré ses recommandations, Erika semble incapable d'aller au bout du défi. Réussira-t-elle à récupérer la clé? Pour le savoir, il suffit de regarder Fort Boyard ce samedi 15 juillet sur France 2. Qui sont les personnalités présentes dans Fort Boyard ce samedi 15 juillet 2023? Une nouvelle équipe composée de 6 personnalités va partir à l'abordage du fort avec, pour la première fois, Kinu à sa tête. Le chanteur sera aidé par les animatrices Elodie Gossuin, qui bat ce samedi un record en participant à l'émission pour la 12e fois, et Erika Moulet. Dans leur quête du trésor, ils pourront compter sur le journaliste Jean-Baptiste Marteau. À leur côté, vous retrouverez également Adeline Tounayouti, la professeure de chant révélée au grand public dans la dernière saison de la Star Academy, ainsi que le médecin et chroniqueur du magazine de la santé Jimmy Mohamed. Ensemble, ils joueront afin de remporter le gain maximum pour leur association Carl, qui lutte contre les violences faites aux enfants.